Admettons que là, pour le stationnement en bataille, on veut se garer ici, là, entre les deux. Alors, déjà, la première des choses, quand tu te gares en stationnement en bataille, il faut laisser un écart. Tu sais, quand tu vas avancer à côté des voitures pour garder une distance de sécurité, ce ne sera pas comme le créneau. Ici, tu laisses une distance un peu plus grande que le créneau. T'as vu, le créneau, c'est 50 cm ou 1 mètre. Là, la distance, c'est 1,50 m ou 2 mètres. D'accord? Donc, tu avances avec toujours les roues droites. D'accord? Tu avances en étant bien aligné. Tu gardes une distance 1,50 m ou 2 mètres. Ensuite, tu vas avancer jusqu'à la troisième place. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais t'expliquer avec les traits. Et après, je vais t'expliquer avec le phare. Ok? Donc, nous, on veut cette place-là. Donc, le premier trait, il est toujours après ma place. Donc, le premier trait, c'est celui-là. 1. Ici, c'est le deuxième trait. Ici, c'est le troisième trait. Donc là, je vais avancer avec ma voiture de façon à ce que le troisième trait, il soit au milieu de ma fenêtre. Tu vois ma ceinture et mon rétro? Tout ça, là. Eh bien, le troisième trait là, il faudra qu'il soit au milieu de ma fenêtre. Ok? Je vais avancer pour te montrer. Le clignotant à droite, je garde mon la distance d'un mètre cinquante, deux mètres. D'accord? Le clignotant, je le mets avant d'arriver dans ma place, hein, pour prévenir. Je garde bien mon volant droit. D'accord? Donc, ma place, c'est celle-là. Ok? Le premier trait, c'est pas celui-là, c'est toujours celui qui est après ma place. Premier trait, le deuxième trait, il est là. Et le troisième trait, il est après la voiture grise. D'accord? Donc, 1, 2, 3. Je garde bien le volant droit. Ok? Et ce trait-là, là, tu vois, il est proche de mon miroir, de mon rétro. Moi, je veux qu'il soit entre mon rétro et ma ceinture. D'accord? Donc, dis-moi quand pour toi, il est à peu près au milieu. Encore un tout petit peu. Voilà. Là, il est plus au milieu. D'accord? Ensuite, une fois qu'il est au milieu, tu braques les roues du côté où tu veux te garer. Voilà. On va vérifier la sécurité avec moi. Décroise tes mains. Alors là, on va regarder dans le rétroviseur qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Il y en a une. Alors, on patiente parce qu'on n'a pas la priorité. D'accord? En attendant, tu regardes autour de toi si personne d'autre n'arrive. C'est bon pour nous? Ok. Tu tournes la tête. Et toi, tu vas avoir peur de toucher le camion blanc. Ouais. T'as compris? Ouais. Et si tu tournes la tête, on dirait qu'on le touche. Ouais. Donc, il faut regarder par où? Ah, exactement. C'est lui qui va t'aider. T'as compris? Ouais. Et mon but à moi, c'est de rentrer les deux roues derrière. D'accord? Donc, de temps en temps, on va regarder là-bas s'il n'y a pas une voiture qui arrive. D'accord? Et là, on va regarder si on passe la roue derrière ou pas. Ça passe? Ok. L'autre côté, tu regardes, toujours pas de voiture? Non. Ok. Je continue. Est-ce que ça passe ou ça passe pas pour toi là? Ça passe. Ok, ça passe. Maintenant, je vais regarder de l'autre côté. Il faut que ma roue de l'autre côté, elle passe aussi. Dis-moi si la roue de l'autre côté, elle passe. Non. Attends, je m'arrête parce qu'il y a une voiture. Alors. Ouais, elle peut pas passer. Elle se gare, ouais, elle se gare. Même si elle peut pas passer, je suis censé m'arrêter. Okay. Donc là, regarde la voiture blanche. Est-ce que ça touche ou ça passe? Non, ça passe. Ça passe. Les deux miroirs, ça passe? Oui. Ok, maintenant, tu vas regarder en face de toi. D'accord? Tu vois la place qui est devant nous? Ouais. Il faut être, on reste comme on est jusqu'à ce qu'on est parallèle à la roue. Donc tu regardes bien en face de toi jusqu'à ce que tu sois parallèle. Dis-moi quand tu sens que tu es parallèle. Là, ça va. Ok. Alors tu peux te servir soit de la place devant toi, mm-hmm. soit de regarder le miroir pour voir si le miroir il est parallèle à ta carrosserie de la voiture. Ouais. Ça peut t'aider aussi. D'accord? Donc une fois que c'est bon, tu remets les roues droites. Tu sais comment on met les roues droites? Ouais. Vas-y. Alors non, c'est pas bon, regarde, parce que le volant il n'est pas droit. Tourne à fond de n'importe quel côté, tourne à fond, bloque-le. Bloque-le, hein. Tu le bloques. Voilà. Tu vois ça? Ouais. On fait comme s'il était là-haut. Non, laisse-le. Laisse-le avant. On fait comme si ça, c'était là-haut. Tu fais un tour complet pour me le remettre là-haut, s'il te plaît. Un tour complet. Stop. Voilà, là tu as fait un tour. Mm-hmm. Maintenant, tu rajoutes la moitié, tu le mets en face de ton ventre. Voilà. Là, tu as fait un tour et demi. Maintenant, tu tournes la tête. Alors, il n'y a rien autour de nous qui nous gêne? Non. Tu tournes la tête pour la vision directe. Ouais. C'est bon? Et on recule la voiture. D'accord? Dis-moi quand c'est bien rentré. Après, tu regardes devant nous. Et dès que c'est OK, on immobilise la voiture. C'est bon. Donc, est-ce que tu as compris ce que j'ai fait? J'ai avancé la voiture à 1,50 m de mètre. Ouais. D'accord? Toujours les roues droites. Ouais. Dès que c'est OK, le troisième trait, je le mets au niveau de ma fenêtre. Mm-hmm. Dès que c'est bon, j'immobilise la voiture. Je braque les roues du côté où je veux garer. Je gère la sécurité. Mm-hmm. Je fais rentrer les deux roues derrière. Je jette un coup d'œil derrière. Après, j'utilise quoi pour guider ma voiture? Les rétroviseurs. Si quelqu'un arrive entre temps, je m'arrête, même s'il n'y a pas la place. Et dès que les deux roues arrière sont rentrées, on regarde devant nous jusqu'à ce qu'on soit parallèle. Dès qu'on est parallèle, un tour et demi avec le volant, on le remet droit et on rentre la place en tournant la tête. Moment de sortir. Beaucoup de personnes, ils frottent les voitures quand ils sortent. Je te montre un exemple. Donc, par exemple, je mets la marche avant. Je sors le bout de mon nez pour voir qu'il n'y ait personne, tu vois. Et en même temps, quand tu sors le bout de ton nez, des fois, vous avez le défaut. Ouais, je la vois la voiture à travers les carreaux. Des fois, tu sais, ici à ça, vous avez le défaut de tourner le volant quand vous sortez. Alors, j'ai l'impression qu'elle veut se garer.
Il cherchait une place, on dirait. Regarde à ça. Je regarde ce qu'il ne faut pas faire. Si je tourne mon volant direct, qu'est-ce que je vais faire là? Ah ouais, tu vas frotter. Je vais frotter là. Ouais. Et je suis pas bien du tout là. Je le touche sûr. Donc regarde comment on fait. Tu mets la marche avant. Tu vois le phare du véhicule du côté droite? Si on sort à droite, tu prends ce phare là. Si on sort à gauche, tu prends le phare du véhicule blanc. D'accord? Donc le phare du véhicule, il faut qu'il soit au niveau de ton biceps. Mets tes mains. Tu sais c'est quoi le biceps? Non. C'est quand on fait les muscles. Ah, là? Voilà. Ah. Il faut attendre que le phare soit au niveau des muscles. D'accord. Okay. Tu gardes le volant droit. Ouais. Regarde s'il n'y a personne. Et dis-moi quand le phare est au niveau de ton muscle. Je m'occupe du piéton, d'accord? Non, il n'y a personne. Ouais. Dis-moi quand le phare est au niveau de ton muscle. Un petit peu. Il y est là ou pas? Ouais, il a maintenant, tu là. Peux braquer les roues du côté où tu veux aller. D'accord. Voilà. Et tu vas regarder la voiture par le rétro. Tu me dis si ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Et ben voilà. T'as compris comment on fait? Ouais. Allez, maintenant tu vas me le refaire toute seule. Tourne à gauche. On met le clignotant pour prévenir les gens avant d'arriver dans la place. Tu gardes toujours ton écart d'1m52, d'accord? Et je te laisse avancer. Tu ralentiras à côté de ta place. Tu l'as repéré la place qu'on veut prendre, c'est laquelle? Ouais, celle-là. Exactement. Donc tu marques un petit arrêt pour que les gens comprennent. Tu vérifies ta sécurité autour de toi. Ça a l'air d'être OK? Ouais, c'est OK. Tu avances de façon à laisser 3 traits. Premier trait qui est après ta place, bien sûr. Deuxième trait. Et le troisième, rappelle-moi, il faut le mettre où? Au milieu. Entre le rétro et la ceinture, au milieu. Dis-moi quand tu sens qu'il est au milieu. Ouais, c'est OK. OK. Là, pour moi, tu l'as mis un petit peu plus proche de la ceinture que du rétro. Je suis un peu loin? Ouais, en fait, tu l'as dépassé. Je le veux un peu plus vers là. Je ne sais pas si tu vois entre le rétro et le trait, entre la ceinture et le trait. Est-ce qu'il y a le même espace pour toi, là non, et là? Non, ici, c'est plus avancé que derrière. Voilà, donc c'est à toi de le rectifier. Okay. D'accord? Donc, je te laisse mettre ta marche arrière. Et regardez autour de toi avant de manœuvrer pour la sécurité. Remets le volant droit. C'est bon la sécurité? Mm-hmm. Allez, essaye de rectifier. Ça se joue au millimètre près. Hein. Mm-hmm. Il est où le trait, rappelle-moi? Le trait? Le troisième trait, il est où? Elle était là. Moi, je t'avais demandé de faire quoi avec le troisième trait? De le remettre au milieu. Au milieu. Est-ce que tu l'as remis au milieu? Non. On peut pas se garer. Regarde. Regarde, pour que tu comprennes l'erreur. Hein. Mmh. Regarde, pour que tu comprennes l'erreur. Lâche tout. Il était comme ça? J'ai dit, il était comme ça. Ah, ok. Est-ce qu'il est au milieu, le trait? Non. Donc, si je te laisse manœuvrer, vas-y, braque les roues du côté où tu veux te garer. Voilà. Regarde la sécurité. Mmh. Donc là, on va toucher le camion si je te laisse faire. Regarde. Mmh. Ouais, parce qu'on n'est pas assez... On n'est pas assez éloigné. D'accord? Ouais. Donc là, quand je vais rentrer la voiture, ouais. On est comment là? Ah, il y en a tout près. Tu vois, on est même sur le trait. Ouais. Et on est en train de se garer sur quoi là? Sur le trait. Voilà. Ouais. Tu comprends ce... Donc ça, c'est si jamais on a trop avancé le trait. Et de la même manière, si on l'a mal placé de l'autre sens, donc premier trait, deuxième trait, troisième trait, du moins le troisième trait, il est là. Ouais. Okay. Donc tout à l'heure, il était trop proche de la ceinture. Mm-hmm. Là, je l'ai mis trop proche du rétro. Ça se voit là qu'il n'est pas ouais, au milieu. Ouais. Okay. Donc vas-y, braque les roues. Et regarde de toi-même ici ce qui va se passer. Donc, on vérifie la sécurité, bien évidemment. Donc là, je vais être loin du camion. Normalement, tu ne le vois même pas. Ouais. Non, mais je vais être trop proche de qui maintenant? La voiture. Exactement. Regarde, c'est la voiture blanche. On est trop proche d'elle, là. Ouais. Et là, on risque carrément... Ah ouais, c'est la collée. Bah ouais, là, on va la toucher. T'as compris? Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se mettre au milieu. Quand tu es au milieu du trait, tu es au milieu de la place. Si tu es trop à gauche du trait, tu es trop à gauche de la place. Si tu es trop à droite, tu es trop à droite. T'as compris l'erreur? Ouais. Ok, maintenant tu vas ressortir. On va recommencer, on fait le tour et tu recommences la balle. En droite. On diminue un petit peu l'allure, on arrête à côté de notre place. On marque un petit arrêt. Voilà, on vérifie la sécurité. Et on avance de 3 traits. D'accord? Premier trait. Deuxième trait. Et dis-moi quand tu as aperçu le troisième trait. C'est celui-là. Et il faut le mettre à peu près au milieu de la fenêtre, entre le rétro et la ceinture. Ouais, je te laisse bon. Y aller. C'est bon pour toi? Ouais. Là, c'est un peu plus correct pour moi. D'accord? Ouais. Là, quand je regarde, l'espace, il est un peu meilleur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Du recul. Ouais. Mais il y a un truc à faire avant. Ouais, la sécurité. La sécurité. Ouais. Il y a une voiture, mais il recule. Ouais, là, mais ça va, tout va bien. Il me manque quelque chose pour moi. Clignotant. C'est bon, il est mis. Ouais. Voilà. Il faut tourner les roues du côté où on se gare. Bon, comme on a mis un temps d'arrêt, on recontrôle la sécurité. Il faut toujours reprendre l'information
avant de bouger ton véhicule. D'accord ? Si tu mets un temps d'arrêt de 1 seconde ou 2, tu recontrôles derrière toi. Okay. C'est bon pour nous ? Oui. La voiture qui se garait, elle est partie ? Non. Elle est encore là ? Elle se gare ? Ok. Je la vois maintenant, la caméra, elle est partie se garer. Tant qu'elle est éloignée de nous, qu'elle s'éloigne de nous, on peut manœuvrer. Okay. Si elle s'approche de nous, qu'il y a un danger. D'accord ? Tout est ok pour nous ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant ? On recule. Ouais. Et quand tu recules, qu'est-ce qu'on regarde ? Rétroviseur. Exactement. Tu jettes d'abord un petit coup d'œil en vision directe. Mm-hmm. Vas-y, en lâchant le frein. Ouais. Et ensuite, on s'occupe de qui ? Rétroviseur. Exactement. Pas que lui, les deux. On s'assure que les deux roues arrière soient rentrées. Et en même temps, on gère la sécurité. Donc, tu me dis à quel moment tu sens que les deux roues arrière sont bien rentrées. Là, on sent qu'elle rentre ? Ouais. Ok. Et l'autre ? Oui, ça va. On marque l'arrêt. On marque l'arrêt. Stop, stop, stop. Et ensuite, tu vas t'assurer. Alors, tu n'es pas obligé de le faire en t'arrêtant. Moi, je veux que tu t'arrêtes parce que j'ai besoin de parler. Maintenant, tu vas t'assurer d'être parallèle à qui ? Là. Exactement. Et dès que tu es parallèle, c'est là que tu remets les roues droites. Tant que tu n'es pas parallèle, tu ne remets pas les roues droites. Okay. On a encore un petit peu de marge. Là, tu estimes que tu es parallèle ? Mm-hmm. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on est parallèle ? Roue droite. Ok, comment on fait pour mettre les roues droites ? Un tour et demi, c'est très bien. Alors, juste pour information, si jamais un véhicule il arrive maintenant, mm-hmm. nous, on s'éloigne de la route ou on continue à s'approcher de la route en on se garant ? S'éloigne. Donc là, on peut manœuvrer. Ouais. À partir de maintenant, le fait que tu rentres ta voiture, tu peux manœuvrer si une voiture elle arrive. Parce qu'au contraire, mm-hmm. tu dégages la route. Ouais. D'accord ? Et là, on le fait en vision comment ? Direct. Allez, vas-y, je te laisse faire avec la vision directe. C'est bien, j'ai vu que tu as regardé si tu étais toujours en marche arrière. Voilà. Là, il faut l'aider parce qu'il y a un petit morceau de trottoir qui nous gêne. Mm-hmm. Comment on fait là quand il y a un petit trottoir qui nous gêne ? On avance un peu. Vas-y, pour donner un peu d'élan à ta voiture. Mm-hmm. Donc là, mon élève a choisi d'avancer un peu la voiture pour donner plus d'élan. Elle remet sa marche arrière. Et là, la voiture, on sent qu'elle a plus d'élan. Très bien. Ensuite, on peut marquer l'arrêt. Très bien. Et comment tu immobilises la voiture ? Voilà. Ça va ? On va faire une autre technique. Tu as vu, des fois, ça peut arriver. Quand tu veux te garer, les traits sont effacés. Mmh. D'accord ? Ça peut arriver hein, qu'un jour, les traits soient effacés. Ouais. Donc là, cette fois-ci, comment on va faire ? C'est qu'on va se garer et tu vois la voiture qui est après ta place. C'est laquelle la voiture qui est après ta place ? Ta place, elle est là. Ouais, c'est laquelle la voiture ? C'est le après, gros camion. Celle-là. Ouais, c'est le gros camion. Bah, le gros camion, bah, c'est la voiture jaune. D'accord. Et le phare qui est là, tu vois le phare qui est là ? Ouais. Est-ce que tu le vois où il est ? On ne le voit pas très bien, mais il est où ? Il est de l'autre côté. Et bien, ce phare-là, il faudra le mettre derrière ta fenêtre, dans ta fenêtre arrière, pardon. Alors, je vais dessiner ça. On va dire que ça, c'est ma fenêtre de devant. Là, c'est où il y a ma ceinture. Et ça, c'est ma fenêtre de derrière. D'accord ? La fenêtre qu'elle a derrière. La fenêtre derrière, on va la couper en trois. D'accord ? Et le phare du véhicule, celui-là, là, il faut qu'il soit dans la troisième partie. D'accord ? Il ne faut pas qu'il soit au milieu, il ne faut pas qu'il soit dans la première partie, il faut qu'il soit dans la troisième partie. D'accord. Ok ? Et dès qu'il est dans la troisième partie, là, tu braques les roues pour te garer. Okay. Ok ? Allez, vas-y. Je te laisse avancer. Après avoir géré ta sécurité, bien évidemment. Mais remets ton clignotant, tu ne l'as pas mis. Voilà. Enfin, il s'est peut-être mis, il s'est enlevé entre temps. Donc la place, elle est là. Tu vois le phare qui est là ? Ok. Tu l'observes. Garde bien le volant droit. Hein. Ne t'approche pas de la place. Dis-moi quand ton phare, il est... Alors, coupe la fenêtre de derrière en trois. Garde le volant droit. Tu es en train de t'approcher de la place. Alors, dis-moi quand le phare... Alors là, le phare, il est dans ma fenêtre, mm-hmm. ici. Mm-hmm. Je veux pas qu'il soit là. Je veux pas qu'il soit là. Je veux qu'il soit là. Dernière. Allez, vas-y. Tu avances toujours en vérifiant ce que ton phare, il soit dans la dernière partie. Alors là, il est dans la première partie, pour... normalement. Non ? Non, c'est bon. Alors, il est sur la dernière porte. Alors... Immobilise-moi la voiture. C'est quel phare que tu regardes ? Montre-moi dans la voiture jaune. Celui-là. Ok. Il est où ce phare-là ? Montre-moi, il est où ? Il est là, derrière là. Là-bas, celui-là qui est là-bas là ? Ouais, là, t'as okay. mal là, oui. Celui qui est là-bas ? Ouais. C'est ce phare-là. Ouais. Mais c'est pas ce phare-là que je veux, c'est lequel ? C'est ça, c'est ouais. le dernier. Alors. Il avance encore ? Non, reste arrêté. Moi, je veux ce phare-là, hein. Ok, ce phare-là, il est là ? Non, il est là. Ouais. Il est là ? Oui. Il est là ? Oui. Ok. On le voit un petit peu, le rond noir que j'ai mis là ? Oui. Ok. En fait, je veux que le phare il soit à l'intérieur du rond. Je pense plutôt que le phare il soit sur la moitié. Donc, assure-toi de la sécurité autour de toi. Mm-hmm. Je vais juste remettre ma ceinture. Attends que je mette ma ceinture. Voilà, c'est bon. Mm-hmm. Allez, avance tranquillement. Juste avance tranquillement, d'accord ? Regarde la fenêtre derrière.
Et dis-moi quand le phare, il est là où je t'ai dit. Okay. Il est sur le rond noir ou pas encore? Ouais. Tant qu'il est dessus là? Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon. Là, je trouve que le phare, il est mieux. Ouais. Il est comme... Regarde ma caméra, ouais, et regarde la fenêtre pour de vrai. Est-ce qu'il est à peu près pareil? Oui. Voilà, t'as compris? Oui, c'est bon. Alors que tout à l'heure, tu l'avais mis plus vers où? Plus des 20. Voilà, c'est pas bon. D'accord? Okay. C'est bon pour toi? Okay. Maintenant, tu peux braquer les roues, comme tout à l'heure, comme on a fait au début. Oui. Tu regardes autour de toi la sécurité. Oui. Tu mets ta marche arrière. C'est bon pour nous? Oui. Et là, tu fais comme on a fait tout à l'heure. Okay. Tu jettes un coup d'œil, tu regardes après la fenêtre. Bon, il n'y a personne. Vas-y. Tout est OK. Assure-toi de la sécurité des deux côtés, hein, d'accord? Mm-hmm. Ton but à toi, c'est de faire entrer les deux roues de derrière. Tu me dis quand les deux roues sont rentrées, dès qu'elles sont rentrées, tu regardes en face de toi. Ouais. Ok. Jusqu'à ce que tu sois parallèle. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait? On roule droite. Ouais, je te laisse faire. Et après, la vision directe pour entrer la voiture. Tu tournes la tête. Ok. Très bien. Ah, je vais juste la remonter un petit peu que le trottoir. Ça va, ça a été? Ouais, ça va. Ok. Qu'est-ce que tu as compris là? J'ai compris s'il n'y a pas de tirer. Ouais. Donc on fait la même, on garde l'écart et tu refais le trait. D'accord? Tu refais le troisième trait comme au début et je vais te montrer un truc. Donc premier trait, deuxième trait et troisième trait. Troisième trait, tu le mets bien au milieu, rappelle-toi. D'accord? Une fois qu'il est au milieu, tu marques l'arrêt et regarde par la fenêtre de derrière. Ouais. Et il est où le phare? D'un euro. Et ben voilà. T'as compris? Ouais. Que tu mettes le trait et où? Que tu mettes le phare, c'est exactement la même chose. Ben voilà, t'as compris? Maintenant tu choisis celle que tu veux. Soit tu le fais avec les traits, soit tu le fais avec le phare sur la troisième. T'as compris? Tu fais comme toi tu veux.